Enfin, un coup de sifflet déchire l'atmosphère. L'assistance se fige et fait silence. Le commandant des armes, Henri, vient de donner l'ordre de lancement. Tout le monde porte ses regards vers le bagnard qui seul, tel un gladiateur dans l'arène, tient entre ses mains l'instrument de son destin. Les premiers coups de hache résonnent étrangement, auxquels seul répond l'écho. Il touche au but avec précision. Un à un, les arcs boutants tombent. Reste le principal et dernier dans l'axe de l'étrave. Après une pause, le bagnard reprend son souffle et entame le bois à grands coups bien ajustés. Les copeaux giclent. Enfin, la béquille cède. Un nouveau coup de sifflet émis par un guetteur se fait entendre pour signaler que le bateau décolle. Comme mu par un ressort, le bagnard bondit hors du chemin de glissement, laissant son outil après lui. Il est sauvé. Libéré, la masse imposante du vaisseau, insensiblement, se met en action, puis accélère. Grand moment d'émotion. La foule jusque-là muette et contractée se libère alors et exulte bruyamment. Les bravos fusent, entrecoupés de « Vive la République !»,« Vive les droits de l'homme !»,« Vive la Révolution !» L'eau approche. Sous la quille, une fumée âcre, créée par le frottement du bois, s'échappe et se répand autour de la coque. Soudain, les deux saisines qui devraient se dérouler librement, ne retenant le bateau qu'en fin de course sur l'eau, se tendent, se bloquent et vibrent. Un obstacle imprévu, une fausse manœuvre, nul ne sait. Deux coups secs, tels des claquements de fouet, se font entendre. Les câbles cassent et virevoltent sans gêner le moindrement l'énorme masse qui pénètre l'onde et s'y enfonce dans un jaillissement d'écume. La carène s'efface progressivement de la vue, la ligne de flottaison est atteinte. Continuant sur son air, bridé par les billots de bois, le bateau progressivement entre dans l'eau d'une centaine de mètres et s'immobilise. Sur les côtés de la cale, trois hommes sont étendus inertes. Trois charpentiers. Les câbles dans leur course folle les ont violemment fauchés. Autour d'eux, du sang macule le sol. La mort, imprévue et brutale, vient de frapper deux d'entre eux. Le troisième, gravement blessé, est transporté pantelant et ensanglanté. C'est la consternation alentour. Commencée dans l'allégresse, cette journée s'achève tragiquement. Mauvais présage pour un baptême, pensent déjà certains. Le soir même, Henri écrit à la commission de la marine pour lui faire part de l'accident et donner son point de vue technique quant aux modifications à apporter à cette cale de malheur. L'agent maritime de Lorient se fera tirer l'oreille quelques jours plus tard pour n'avoir pas signalé à cette même commission l'accident, ni formulé des suggestions pour secourir les familles des victimes. Colaura Caliman, oh, Caliman. Encore un colaura, encore un colaura, Caliman, oh. Colaura Caliman, oh, 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 Caliman. Encore un colaura, encore un colaura, Caliman, oh, 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 Caliman. Encore un colaura, encore un colaura, Caliman, oh, 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 Caliman. Encore un colaura, encore un colaura, Caliman, oh, 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 Caliman. Encore un
Vous êtes toujours à bord de la nef enchantée, d'eau douce et d'eau salée, qui, comme son nom l'indique, nous mène de la rivière à l'océan. De la rivière à l'océan, vous venez non pas d'avaler des couleuvres, mais des courants. Des courants de pensées passés par le bar de passeurs d'histoire, de mémoire et de savoir. Voilà à présent et rapidement deux conseils de lecture, l'un concernant l'eau douce, l'autre concernant l'eau salée. Le premier ouvrage, c'est celui de Stéphane Thomas aux éditions Keltia, « La vie du canal de Nantes à Brest dans le Finistère de 1826 à 1914 ». Le deuxième ouvrage, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure concernant l'expédition d'Irlande de 1796, avec la naissance de ce vaisseau, dont on reviendra plus tard concernant cette fameuse expédition d'Irlande de 1796. C'est donc un ouvrage de Jacques Escornou et Bruno Jonin qui s'intitule « L'Odyssée du vaisseau droit de l'homme ». La nef à présent appareille en quête de nouvelles merveilles à penser, à dire et à faire passer. Rendez-vous pour une prochaine escale sous mon vent. Vous m'avez prêté vos oreilles, je vous les rends.